qu'après, les minerais te font pex aussi. Non, pas dans mon cas. Ah, t'as pas des barres qui te font. T'as pas des barres qui te font Plus haut pex. niveau, mais ça me fait monter à la fonderie. Ah, c'est deux trucs. Ah, c'est la fonderie et Ouais. la forge, c'est deux trucs. Ok. Bah c'est là où tu veux à la fois le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, tu vois, pour moi, Zarkiel. C'est-à-dire que tu veux à la fois, comme tu dis, faire découvrir les raids justement Akunax, etc. Mais tiens, toi qui es un joueur qui aime bien le RP, est-ce que c'est pas normal, comme dans du donjon dragon ou quoi que ce soit, justement de gagner en puissance pour aller être capable d'affronter ses boss? Parce que je comprends de vouloir découvrir Akunax, même Bewell, hein. Mais c'est normal aussi que tu sois pas un aventurier en sauve de la chouette, hein. En termes de RP, ça se défend totalement. Alors. T'es toujours là, Stera? Parce que t'as pas réagi au dernier truc. Au Paloun, il y a une grotte, il y a plein de minerais d'étain et d'incendicite. Je sais pas ce que c'est, l'incendicite. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Il faut que je découvre. Je te déteste, Lucas, tu le sais, hein. Je sais. C'est terrible. Bon, je suis passé quand même 68 en forge. Ça monte. J'ai l'impression que la répute, elle est capée à Révéré, tiens. Ah, c'est bien, en vrai. Pas plus mal. Oui, c'est pas. Bah, je pense que c'est pas con, ouais. Pas plus mal. Comme ça, s'ils seront. Parce que exalté, c'est aussi long, je crois. C'est aussi long de passer exalté que de faire les trois premiers, je crois. Ouais. Alors, ça c'est un autre très bon point, Stera. Tu hésites à recommencer SOD au retail. Je peux pas te dire ce que tu vas faire, parce que. Enfin, je vais pas te dire ce que tu vas faire, mais par contre, je peux peut-être te guider, ni enfin, pas vers l'un plutôt que vers l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? En lançant SOD, j'ai eu toutes sortes de joueurs de la guilde qui donc m'ont rejoint dans l'aventure. Parmi ces joueurs, il y en a certains donc qui. Il y a trois types de joueurs, on va dire. Il y a des nouveaux joueurs qui n'avaient jamais joué à WoW, ok? Et qui adorent SOD. Je pense à Sky, à Xelanos et qui maintenant ont un temps de jeu qui est équivalent au mien alors que je suis streamer, tu vois, donc je fais que ça. Donc voilà, donc tu vois qu'on vraiment, vraiment, vraiment kiffé. Il y a des anciens joueurs de WoW qui kiffent aussi. Et il y a le troisième point, et c'est là où tu vas peut-être un peu être concerné, même si t'es pas un joueur de WoW, c'est qu'il y a des anciens joueurs de WoW qui ont joué à SOD, mais en fait en jouant à SOD, ça les a un peu lassés. Par contre, ça leur a redonné envie de jouer à WoW Retail, et maintenant sont sur WoW Retail. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que SOD Retail, c'est, faut le considérer, même si c'est World of Warcraft, c'est deux jeux totalement différents. Il n'y a pas une question de l'un est meilleur que l'autre. Il faut bien comprendre qu'ils sont absolument différents dans ce qu'ils veulent transmettre aux joueurs. Tu n'auras pas les mêmes sensations, tu n'auras pas la même progression. Et ça va vraiment dépendre de ton style de joueur. SOD est lent. Il faut être patient, curieux et il faut aimer lire. Vraiment. Je fais hein, l'emphase dessus. Sois patient, sois curieux, aime lire. Retail, c'est un parc d'attraction. Tu y vas, tu tapes, tu vas avoir des énormes chiffres dans tous les sens. Le pexing, c'est quelques heures. C'est-à-dire que c'est plus rapide de passer, littéralement, de passer 1,60 sur retail que de passer, je crois que c'est 60 niveaux max sur retail, je crois, maintenant, et que de passer 1,25 sur SOD, pour donner une idée. Donc le pexing, il va être rapide. C'est genre un roller coaster, c'est tout droit. Et après, tu as plein de choses à faire. Par contre, évidemment, tu as plein de choses à faire. Mais les choses sont. Très différent de la manière de procéder. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus. C'est effectivement très moderne. En bien comme en mal. Voilà. Donc à toi de voir. SOD, c'est un peu c'est un peu un anachronisme vidéoludique. D'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du moderne avec du vieux. C'est en gros, c'est plutôt une modernisation du vieux. Si vous aimez les bagnoles, c'est un peu une sorte de resto mode. Pour ceux qui connaissent les bagnoles. Voilà, bah SOD est une forme de resto mode. On prend du vieux et on le remet un peu au goût du jour avec des nouvelles mécaniques. Et c'est pas mal. Alors, pour faire ton parallèle du RPG LR dans ton aventure, tu ne refais pas le donjon. C'est vrai. Tu montes effectivement en puissance, mais sans refaire les mêmes choses en boucle pour garder le côté ludique, mais ça concerne que moi effectivement qui laisse le faire. C'est pas faux, tu marques un point. C'est pas faux. Après, c'est là où SOD pourrait te plaire, Zarkiel. Techniquement, t'as besoin de faire qu'une fois les choses, justement. En termes de difficulté, en tout cas pour l'instant. T'aurais tout le lore initié des quêtes, parce que là, je te dis, nous on lit les quêtes et. Ah, ça y est! Ah, enfin, ça y est. Je suis passé 75 en forge. Bon! C'est pas mal quand même. Non, ingénieur, je manque Carl au cul.
Mais non, il n'y a pas de... Oh non, mais c'est une blague. Il n'y a pas de de forgeron plus que compagnon à Aubergine. Ah bah faut changer de sponsor. Putain, il va falloir que j'aille jusqu'à... Après, ça va... De Aubergine, c'est pas trop chiant, Ironforge. Je vais prendre le bateau et ça va le faire, mais... JPP, quoi. JPP, JPP. Hein. Putain d'elfes. JPP des elfes. JPP des elfes, les gars, je vous jure. Fallait faire de la cueillette, hein. Putain. Aïe, 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 aïe. Foutu elf. Le mieux à faire, Stera, à la fin, c'est de découvrir. Déjà, je pense, j'espère en tout cas t'avoir enlevé ta peur de perdre ton personnage. Tu n'as rien à perdre à jouer à l'un ou à l'autre. C'est le même abonnement. Au cas où, si ça peut, pour finaliser de télé, tu as une vidéo qui te présente SOD là. Et j'ai fait une autre vidéo, je sais plus si on a fait... Ah si, non, c'est pas Red. Dans quoi on a fait l'autre vidéo, Lou, des différents WoW? Peut-être que ça pourra t'aider, ça, Stera, à regarder. On a fait une commande ou pas, Lou? Je sais plus. Attends. Je crois pas, hein. Attends, je vais lui linker. Elle est où, Stera, la vidéo? Elle est... Voilà. Vous voulez jouer à World of Warcraft? Tiens, voilà, je t'encourage à regarder ça, Stera. Pas besoin de compte TikTok, hein, c'est un lapin, hein, pas de soucis. Pas de problème. Putain. J'ai même pas joué à ton jeu de con, moi, en plus. Bah, c'est dommage, hein. Je sais pas, ça me plairait à cause de l'humour. Ouais. C'est chiant, l'humour. J'ai un truc administrateur de Steam tous les jours en ce moment. Je sais pas si vous aussi, parce qu'il arrive à Steam. Quand je lance Steam, il me demande, c'est le « voulez-vous autoriser comme une demande administrateur de Windows ?» Non, j'ai pas ça. Chelou, ça. N'est point juste ça. Je crois que je l'ai, en plus, Undertale. J'y ai pas joué, mais je lui ai donné l'argent. Ouais, je l'ai, le jeu, quand même. C'est déjà pas mal. J'y ai joué 34 minutes, visiblement, je me rappelle pas du tout. Ou j'ai peut-être 34 minutes dans le menu, hein, c'est possible. Putain, c'est vrai que les notes du jeu sont quand même folles. Hein. Il le vendait à combien, son jeu? Putain, il a dû faire du pognon quand même, hein, Toby. Ouais. Parce que là, 200 000, 10, 2 millions, il doit y avoir au moins entre 5 et 10 millions de ventes. Hein. Facile. Plus proche des 10 que des 5. À 10 balles le jeu, c'est pas mal. Hein. Ah, on a les chiffres de The Day Before. Ça prend en compte le refund. J'ai le... Ouais, est-ce qu'on peut voir la différence pré-avant? Bah, c'est vendre des fils de pute, hein. Ils en ont vendu 2,8 millions. 50 balles le jeu. Pas mal. Et on a les chiffres d'un autre jeu. Against the Storm. Alors bah, c'est pas mal du tout pour un jeu indé, hein. 616 000. Je peux t'assurer que pour 3 connards de Polak, 5 connards de Polak, c'est pas mal du tout, 616 000, hein. Rogue Trader marche plutôt bien, tiens, récemment aussi. Déjà 2 millions de ventes. Putain, c'est par contre celui qui s'est fait défoncer, c'est ceux qui nous ont invités. Hein. C'est une catastrophe. Hein. C'est... Oh là là, c'est violent. Hein. Attends, j'avais regardé il y a quelques jours, ils avaient même pas atteint 50 000, je crois. Ils en sont où maintenant? Ils en sont à... Oh là 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 là, ils sont à 34 000. Oui, c'est un échec total, Age of Sigmar. Gros échec. Ils vont perdre des millions là-dessus, en frontière. Ah, ouais. Ah, ça me fait la peine pour eux. Tout que je trouve bien leur jeu, quoi, ça qui fait chier. Après, je suis pas. Parce que je suis pas un pro STR. Bonne journée, Sky. Bonjour, Solak. Et merci, MightExoQual, pour le follow. Bienvenue. Bon, je vais aller à Ironforge, une vraie ville de nains. Ras-le-bol, là, des putains d'elfes, là. Suceur de bambou. Suceur. JPP. Putain, elle a l'insulte. Y'a pas une forge digne de son dans tout ce foutu pays. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, aïe, aïe.
Même leur rire, il est puant aux elfes. On dirait qu'ils se foutent de ma gueule, la meuf. C'est mon âme qui pleure. JPP des elfes. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Tu. Je déteste Azedos. Pourquoi elle a sauté dans l'eau? Je sais pas. Elle s'est suicidée dans la flotte, Raissa Aleph. Elle a sauté du bateau, mais tellement avant. Bon. Paix à son âme. Bon. Enfin, je l'ai qu'il y a des palounes. Ah oui, les palounes. Ah oui, des filons d'incendicite. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Il y a plein de filons de cuivre et tout ici. C'est vrai que ça a l'air pas mal les palounes à farm aussi. Puis il y a des quêtes à faire, en vrai je pourrais quêter et farmer. Double combo. C'est peut-être pas trop mal en vrai. Pour les PO et pour monter, c'est peut-être le meilleur des calls. T'as fait tes quêtes au paloon ou Lucas ou pas encore toi? Au paloon, j'ai commencé. Ok. Ok. Dommage qu'à deux là ça aurait été parfait. Salutations. J'ai pas tout fait. Attends. Prenez soin de vous. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue. Il faut que je fasse le sac aussi, moi. Je vais avoir là mon. Ah, mais c'est bon, en vrai, je vais être bon côté sac. Parce que je vais avoir là mon quatrième sac qui arrive par la poste et le cinquième, je te mangerai avec les paloons. Moi, j'aime bien dire paloons. J'aime pas les palins. Alors, petit point intéressant, Cyril. Dis-moi tout. Qui est ce Cyril dont tu veux parler? L'Atlas Loot, là, il donne pas les bons loots. Ils sont mieux, les loots du goulet, que ceux de l'Atlas Loot. Ah ouais? Je viens d'être surpris par les... Ouais. Tu peux, Link? Mais t'es pas si réveillé? T'as comme moi, genre la DAC, toi, elle est à 15 de DPS sur ton Atlas Loot? Ouais. Ouais, bah parce qu'en fait, elle est à 19. Ah! Et l'épée, elle est à 18.9, au lieu d'être à 15. Ah bah finalement, Point très très pertinent, finalement. Protector Sword. Parce qu'en fait, c'est 25 et pas 18. Ah oui. Sur le... Ils ont dû changer le niveau. Puis elle est belle, en plus. Elle est pas mal l'épée là. Hein. Ah ouais. 6 force rendue de 70, ouais. Et finalement. Ouais. Et l'arc pour Pouki, il sera mieux que l'arc défense là. Il fait combien? Bah regarde. 15? Ah oui, il a pas mieux résultat avant le boss de fin, je crois. Ouais, avant les pics. Hein. Ouais, mais alors Pouki, jamais il va faire la réputation. Hein. Je pense ça. Ah bah ouais, bah c'est con, hein, il aurait dû commencer, voilà. Parce que l'arbalète ultime elle est à 18.7 mais 2,80 et lui il a... Ouais non. Bon, l'arbalète ultime elle est géniale. Oui. Par contre il y a une belle arme, hein, qui va tomber. Il y a ça. C'est terrible, hein, mais il y a un fusil de ouf sur le boss de fin. Regarde les stats en plus, rêve. Ouais, il est superbe. Là, il est assez lent quand même. Ouais. Oui, bien sûr, ta soute a été mise à jour. Et évidemment. Il y avait une quête ici à prendre auprès d'un nain. Attendez, il y avait une quête auprès d'un nain. Ah voilà, rééquiper le front, c'est ça. Surveillez vos arrières. Voilà. Et il me fallait... Ah non, c'était des haches en cuivre, pas des futales, merde. Et haches en cuivre... Ah et voilà, c'est ça, barre de cuivre, catalyseur, ok, d'accord. Bon. On va aller faire aussi cette quête. En plus, ça me filait un plan. Deux secondes, je reviens. Bonjour Ika. Alors, je voulais aller chez... Il est où ton démo là? Stormwind. Je vais avoir besoin d'en France. Oh, bah viens Stormwind. J'arrive à Stormwind. Surtout qu'il faut que je reste de ce côté là, pour l'instant j'ai encore des trucs à faire là-bas. Je peux pas me TP à ce trailer. Bah moi je pense que j'ai plus besoin de ma pierre ici d'ailleurs. Ah, je me... Donc le révéré il est stylé. Ah putain, je vais être bon pour continuer à faire des events. C'est intéressant. En vrai, attends, c'est 12 000. Ouais, c'est quand même 10 events, hein, ça veut dire. 1500, un peu moins de 10 events. Oh, mais un slow runners devant ces brumas.
Hello. Merci. Comment ça va? Un slow runners. Et en plus, l'épée 2,70, c'est pas mal. Ah oui, elle est superbe. Hein. Très Parce que l'arc, c'est dommage, il est 2,40. Oh. La dague, pareil, c'est dommage, c'est 1,70. Je vous écoute. C'est quoi les armes une main les plus lentes? C'est combien? Alors, le rêve, logiquement, en une main, c'est 2,80. Il y a 2,80. Il y a parfois 2,90, mais c'est du rare. C'est du, enfin, c'est... Faut partir du principe que quand t'as 2,80, t'es au top du top. Ok. Pour les dagues non comprises. Dagues, c'est 2 le rêve. Je pense que toi, tu dois le savoir. Ouais, 2, ça existe quasiment pas. Généralement, c'est 1,80. C'est ça. 1,80, 1,90, t'es très content. Et 2, bon, c'est très, 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 très rare. J'ai pas de quête, donc avec le pantalon, hein, je crois. Ceinture en autre cuve, c'est bon. Ouais, c'est ça, hein, j'ai pas de quête à faire avec les futales. Ouais, juste les vendre, donc mes futales. Bon, ok. Je viens de pas de faire des trucs pourtant avec mes barres. Il me semble que je vais l'enfermer où j'ai déjà tout utilisé. Ah oui, merde. Ah, c'est un forgeron. Ouais. Non, mais je vais aller en acheter là, j'en peux plus. Le cul ça coûte vraiment pas cher donc c'est plutôt tranquille. Alors. Surveillez vos arrières. Donc, il me faut quoi pour la hache? Pour faire des haches en cuivre. Est-ce que au moins c'est. Ouais, ça va, c'est jaune, c'est cool. Étoffe de lin. Merde. Putain, je les ai vendus. C'est pas grave. Bon, ça coûte que dalle. Barre de cuivre. 6. C'est un minerai, une barre, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, 6 barres. Donc, et il m'en faut pour la quête. C'est la quête de forge. Il m'en faut 6, donc 6 fois 6, donc 36 barres. Ou 36 minerais, selon le moins cher. Alors, barre de cuivre, on est à... Alors, on est à 70 PA. Ouais, c'est le moins cher, là, et minerais. On est à... Est-ce que c'est pour les relous, mais... Ah, 25! Ah non, c'est moins cher, 50, là. Ok, c'est ce look que m'avait envoyé, elle savait pas. Ok. Il y a ça, des charges là qui étaient mis avant. Ok, non, c'est moins cher avec les minerais, donc 1. Donc il m'en faut 40. Attends, merde, non, attends, annulé, merde. Bon, j'ai pas les 25 pierres, je crois, attends. 10 minerais, 10 barres. Ah, attendez. 10 minerais, 10 barres. Donc barres de cuivre. Donc si 10 minerais font 25 PA. Non, les barres, c'est ça, les 10 barres, elles sont à 34, donc non, c'est bel et bon moins cher, parce que 20 barres font donc 70 PA, et là, tandis que 20 barres avec les minerais de cuivre vont me faire 50 PA, donc oui, non, c'est bel et bien moins cher, là, les minerais. Ok, c'est plus logique. 3 et 4. Ok. Tu dis que SOD est plus lent que Retain au niveau du Pexi, mais le gameplay est similaire ou bien SOD... Ah non, rien à voir, SOD, c'est très vieux. En fait, faut pas que tu regardes de vidéos, Stera. T'as ton permis de voiture, Stera, ou pas? Est-ce que t'as ton permis de conduire? Salutations. Je pose des questions cheloues, je sais, mais... promis, il y a un sens dans ce que je veux dire. Ok. Il y a des choses comme ça, tu peux pas les apprendre en regardant. Faut y aller. Tu peux regarder toutes les vidéos de voiture que tu veux, ça t'apprendra pas à conduire. Faut conduire par soi-même. C'est la même chose, là. Pour comprendre la différence de gameplay et de progression entre les deux jeux, faut que tu testes. Voilà, c'est le même abonnement dans tous les cas, donc t'as pas grand chose à perdre. Teste, découvre, et voilà. C'est le mieux que tu puisses faire. Mais le gameplay SOD est beaucoup plus lent que le retail, ça n'a rien à voir. Imagine que c'est un jeu qui a 20 ans auquel on joue là. Qui a été un peu modernisé, certes, avec les runes, mais ça reste quand même un jeu qui est assez vieux. Bonjour. Merde, je suis pour une touche, pas grave. Alors, forgeron expert. Voilà. C'est bon, on est pas mal. Et j'ai complètement oublié d'acheter le reste parce que je suis un gros débile. Non, ceci dit, il faut que je fonde mes trucs. 40, ok.
je répète hein, ce que je t'ai dit tout à l'heure, Stera. Est-ce que tu es quelqu'un qui, dans les jeux, quand tu te poses sur un MMORPG, tu aimes lire, tu aimes le lore, tu aimes prendre ton temps, tu aimes explorer, tu aimes te perdre, tu aimes... Tout est lent dans SOD. Les trajets, le farm, tout est très lent. Il y a des gens pour qui, tu vois, ça peut leur plaire. Nous, c'est le cas. Retail, tout est rapide, tout est facile d'accès. Tu veux aller à un point, boum, tu te TP là-bas en 2 secondes. Tu veux aller à un autre endroit, tu veux aller à un raid, tu vas à un donjon, tu peux te TP. Tu veux trouver... Tiens, regarde, exemple tout bête. Retail, tu veux trouver des gens pour aller en donjon, boum, tu cliques sur un bouton, matchmaking, tu vas être avec 4 randoms. SOD, tu dois parler, absolument être dans une guild ou en pick-up, trouver des gens sur le canot, échanger et tout. Voilà. C'est à toi de voir, mais c'est deux mentalités totalement différentes. L'un est dans l'efficacité, l'autre, on va dire, est plus dans l'expérience. C'est pas trop mal comme ça. Donc, plan Lorica en cuivre, c'est stylé. Et Cuirasse et Unforge, c'est stylé aussi, d'accord. Est-ce que ça continue ou ça s'arrête? Là, ça s'arrête. Ok. Tiens, d'ailleurs, le prochain raid. Ça donne quoi là actuellement? On est. Ah, c'est calme pour l'instant, pour la semaine prochaine. On est un temps pour les passer. Après, je pense que les gens sont pas très organisés. Mais en parlant de ça. Un peu de spam. Ok, et donc maintenant hache en cuivre. Pourquoi je la perds une fois sur deux? Je vois hache de guerre en cuivre. Ah voilà, hache en cuivre, elle est là. Ok, catalyseur léger. Ça, je sais où l'acheter. Je vais en acheter 10, ça sera fait. Et il me faut les étoffes de lin. Adieu alors. Il n'y a personne à Runforge qui a l'étoffe de lin en trop qui traîne. Ah, Bruma, t'auras pas l'étoffe de lin sur toi par hasard. Ça coûte rien du tout, hein, c'est pour ça que je te le demande. Pas très précis, non, rassure-toi. Est-ce que tu aurais des étoffes de lin par hasard, Bruma? Sinon, je vais en acheter à la hache. Pour quelques malheureux PC. J'ai utilisé. Pas de soucis, merci tout de même. On va aller vider ça. Il m'en faut pas grand-chose, il m'en faut... hache en cuivre, il m'en faut, je faut que j'en fasse 6, donc 12. Non, c'est gentil. Alors, si tu veux des sacs 10 places, n'hésite pas à envoyer à mon démo. Je pourrais te faire des sacs 10 places avec ta soie. Mais sinon, non. Hop. Ça te sert à rien, je prends sur le démo pour le métier, pour faire des trucs avec. Étoffe de lin. Non, ça va, il me t'inquiète. Ah, pourquoi attends, t'es où là actuellement? C'est vrai qu'autant ne pas gâcher, tu peux voir. Ah, j'avoue, t'es au Paloon, vas-y, go. Vas-y, ouais, ça sera mieux. Comme ça, on gâche pas. On va essayer d'être... cohérent. Bref, c'est ce que j'ai. Rééquipement des carmines. Ceinture runique en cuivre et grand maillet en cuivre. Alors, grand maillet en cuivre. Il est là. Oh putain. Bon, je vais être bon. Ok, il me faut du cuir léger, catalyseur, très bien. Faut que j'en crafte 4. Bon, je suis bon pour acheter d'autres minerais de cuivre, moi. Ok. Et ensuite, ceinture runique en cuivre. Elle est là. Ok, il me faut décidément beaucoup de minerais. Très bien. Minerais de cuivre. On va monter ces verres. Je peux en acheter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Ok. On va à la banque. Ironforge, c'est bien foutu par contre. Hein. L'hôtel des ventes qui est juste en face de la banque, avec la boîte aux lettres et tout. Ironforge, j'ai vraiment bien foutu que tu le level design. Darnassus, c'est une abomination. Et chez les humains, c'est pas trop mal, c'est pas ouf. C'est correct. Ça va. Mais Ironforge, c'est vraiment en face, quoi. C'est au top là-dessus. Ouais, mais je crois que c'est quasiment la même distance en ce moment. Peut-être, mais comme c'est en face, c'est pas pareil.
Darnassus, c'est la merde, par contre. Ah, Darnassus, c'est bien sûr. On est d'accord. Même un défenseur des elfes comme toi peut pas dire le contraire. C'est pour ça que vous êtes lancé et tout, c'est ça? Ah. T'as oublié de te mute, on t'entend en double, là, c'est parfait. Faut en entendre un fond. Un fond d'Azelos. Salut Imra. Merci beaucoup Imra. Merci à toi. J'accepte avec grand plaisir. Tac, 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 tac. Ok. Ah putain, j'ai 80. Le problème, c'est que tu vois, quand je te dis que ça, tout est lent, Stera, moi ça me dérange pas. Je râle un peu, mais. Je râle. Mais tu vois, là par exemple, je vais devoir fondre 80 minerais, ça prend du temps. Après, c'est bah, pas. Tu fais autre chose à côté. Tu c'est regardes ça. Une série, tu lis un manga. Je suis plus dans l'efficacité, je joue un jeu pour le gameplay. Plus que... Ok, ah oui, t'as ta réponse totalement. En deux secondes, tu vois, t'as ta réponse. Va sur Retail. Clairement. Après, le gameplay lent a du charme, attention. Mais c'est un gameplay lent à l'ancienne. C'est, on ne joue pas que pour le gameplay. Le feedback, par contre, est excellent. Par exemple, tu vois, c'est ça la particularité. Je sais pas si c'est ce que c'est le feedback. Mais la sensation de puissance est meilleure ici que sur Retail, par exemple. Mais en termes de gameplay, c'est beaucoup plus poussé sur Retail. Clairement. Après, Retail, c'est un jeu que ça fait littéralement pratiquement 20 ans qu'il évolue. Mais oui, de ce que tu me décris là, fonce sur Retail, sans te poser de questions. Et on fond. Ok. Ah non, je peux déjà les crafter les hachants. Ah mais non, je peux pas les crafter les hachants, c'est vrai. Si je les crafte après, j'ai plus de... J'ai plus de place. Quel enfer. Plus que 3, PO 75 si besoin pour les PL... Ah ouais, bien descendu. Ah ouais, c'est bien descendu, effectivement. Je sais que j'en ai besoin d'une, moi, pour tout à l'heure. Je me la prendrai, j'ai là un peu de thunes. Ça a craqué, hein? Ça t'a mal au dos, c'est ça? Mais moi, ça me dérange vraiment pas qu'on change de chaise. Hein. Allez, je crois qu'il y a juste vieille, là. Qu'est-ce que je voulais dire? T'as gagné ta game? Ça va. T'as le droit d'être couché, t'as le droit d'être reposé. Mais t'as ce point-là mal au dos? Natamaniac. Du coup, elle reconnaît la différence avec la Herman. Oui, c'est bien l'Herman Miller. Ouais, je l'ai bu hier, puis j'ai oublié après. Ouais. J'ai gâché. J'ai gâché. Est-ce que t'auras 5 minutes pour me faire des enchantes? Il te fait mal au cou, le casque? Ah, au crâne. T'as dit quoi, Lucas? Est-ce que t'auras 5 minutes pour me faire des enchantes? Ça peut s'envisager. T'es à Stormwind, là, c'est ça? Je suis à Stormwind. Allez, je suis sympa. Je découvre. Ça me prend 2 secondes.